miséricorde et les bénédictions du Dieu soient sur vous. Ceci est l'énoncé de l'imam, le Mahdi tant attendu, le calife de Dieu, Nasser Mohamed Al-Yamani, que la paix et la prière de Dieu soient sur lui, la dixième planète au Bush Junior est l'énoncé du discours fictif, traduit en langue française, et sachez que le tourment par la planète Sakar, Nibiru, a été ajourné par Dieu, par sa miséricorde, en réponse aux prières de son calife et ses partisans élus, alors précipitez-vous vers le droit chemin avant qu'il soit trop tard et que vous soyez de regret. Imam Nasser Mohamed Al-Yamani, le 12/2/2007. Au Bush Junior, la planète X est le prodige du Yamani attendu. Au nom de Dieu clément et tout miséricordieux. De la part du Yamani attendu, le 12e imam de la Sainte Famille, le partisan du dernier messager d'Allah Mohamed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, Nasser Mohamed Al-Yamani, le calife de Dieu sur les êtres humains. À l'attention de Bush Junior et tous les gens paysans comme citadins, que la paix soit sur ceux qui suivent le guide vers le droit chemin. Aux gens, votre monde est fini, votre fin est arrivée et l'échéance du règlement de vos comptes par le Dieu se est approchée alors que vous vous en détournez avec insouciance. Je suis venu avec la dixième planète simultanément, dans les délais, comme prévu dans le livre souligné pour ceux qui veulent précéder ou retarder. Je ne chante pas de la poésie et je ne exagère pas en prose, je parle à des gens qui veulent craindre et se rappeler de Dieu et du tourment du dernier jour. Un homme averti en vaut deux. Aux gens, le Dieu ne a fait de moi ni un prophète ni un messager. Je suis un imam de la justice ayant une dernière parole prépondérante et non pas du badinage, en se appuyant sur la vraie interprétation du Saint-Coran, le message de Dieu global et exhaustif pour toute l'humanité pour ceux qui veulent le droit chemin. Je vous montre les réalités des sublimes versets du Saint-Coran et ceci non seulement par l'interprétation linguistique du contenu du Coran mais par la projection sur le monde réel, que Dieu vous montre, via la science et la logique de la physique et des mathématiques 1 plus 1 égale 2. Vous verrez cette projection sur le monde réel comme vous en prononciez, Dieu dit dans son livre. 105. Et afin de le clarifier à des gens qui savent, 105, sourate 6, Al-An'am, les bestiaux. Et aussi. 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ce et cela, le Coran, la vérité, 53, sourate 41, Fussilat, les versets détaillés. Dieu a fait de ce Saint-Coran un catalogue pour le Créateur qui a maîtrisé sa création, alors vous niez quelle preuve et prodige du Dieu vous la communauté des athées. Appuyons-nous sur ce catalogue du sage Créateur dans le Saint-Coran où Dieu a énoncé tout en détail dans la plus grande précision pour des gens ayant le savoir. Dieu dit dans son livre. 12. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. 12. Sourate 17. Al-Isra, le voyage nocturne. Nous allons considérer ce discours fictif entre Bush Junior comme interrogateur et le Yamani attendu comme interrogé. Question 1. Bush Junior, au Yamani attendu parle-nous, à partir du catalogue du Créateur de l'univers, comment était le trône de l'univers avant qu'il le soit et après qu'il a été pour avoir son état actuel, avec la capacité de Dieu de dire à la chose, soit.
Et elle le soit, à condition de déduire ce savoir que à partir du catalogue du Créateur et non pas à partir des livres des savants et des scientifiques. Réponse 1. Yamani attendu, Dieu dit dans son livre. 7. Et ce est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. 7. Sourate 11, Ad. Pour vous souligner dans ce verset que les cieux et la terre ont été avant leur état actuel compactés et entassés sur la planète de l'eau où vous vivez pour vous tester et éprouver lequel de vous aurait les meilleures œuvres dans la vie. Au début, le trône des cieux et de la terre était plié comme on plie le rouleau des livres, assemblé sur la planète mère des 7 cieux avec leur ornement et des 7 terres. Question 2, Bush Junior, et où est cette planète mère dont se sont séparés les 7 cieux et les 7 terres? Si tu nous apprends cette planète, nous serions le centre de ce gigantesque univers parce qu'elle serait le centre du Big Bang. Réponse 2, Yamani attendu, la planète dont se sont séparés les 7 cieux et les 7 terres est celle où Dieu a fait le secret de la vie, ce est l'eau. Pas de vie sans eau et Dieu a rendu tout être vivant à partir de l'eau. Dieu dit dans son livre. 7. Et son trône était sur l'eau. 7. Sourate 11, Ad. C'est-à-dire une seule masse pliée, comme on plie le rouleau des livres, sur la terre où Dieu a rendu l'eau. Bush Junior, as-tu trouvé l'eau de la vie, la pluie et les arbres sur les autres planètes? Si on trouve l'eau, on trouvera la pluie, les arbres et la vie des êtres humains, alors la planète dont le symbole est l'eau au Saint-Coran ce est elle qui supportait le trône universel des cieux et de la terre et ce est elle-même cette planète terrestre marine dont les 3/4 est une mer gigantesque, le Dieu dit dans son livre. 30. Ceux qui ont mécru, ne ont-ils suffixte pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils suffixte donc pas? 30, Sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes. Question 3, Bush Junior, tant que tu nous parles à partir du Coran et tu nous dis que le centre du Big Bang pour la séparation cosmologique des cieux et terre est cette planète où nous vivons et aussi qu'il existe 7 cieux et 7 terres, alors évidemment notre planète sera entre ces derniers, et nous savons que les cieux sont au-dessus de la terre et l'entourent de tous les côtés, alors sûrement les 7 terres sont au-dessous de la planète mère et ceci pour que notre planète mère soit le centre du Big Bang. Alors peux-tu prouver du Coran, le catalogue du Dieu le Tout Miséricordieux, qu'il dit qu'il existe après notre terre mère 7 terres en couche? Réponse 3, Yamani attendu, Dieu dit dans son livre. 27. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même la mer serait étendue de 7 autres mers après elle, les paroles d'Allah ne se épuiseraient pas. 27, Sourate 31, Luqman. L'apparent de ce verset parle des paroles de la capacité de Dieu, soit, et il l'est, que sa puissance ne a ni limite ni fin. Même si le Tout-Puissant transforme tous les arbres sur terre en plumes à utiliser pour écrire les paroles de ses capacités, la mer sur terre sera finie avant que les paroles de ses capacités soient, et ils l'est, se épuiseront. Même s'il incorporera 7 mers au niveau des 7 terres, ses paroles ne disparaîtront pas.
Alors tu as su grâce à ce verset qu'il existe sept terres après la terre-mère, ceci est compris grâce à ce nombre numérique que Dieu l'a rendu clair et explicite au Coran parce que ce verset ne parle pas d'une mer bien spécifique sur cette terre mais plutôt il parle de ce qui est inclus sur la face de la terre. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même la mer, c'est-à-dire la mère de la terre parce que ses trois quarts sont couverts de l'eau alors que l'autre quart est couvert par le sol et ensuite il dit, quand bien même la mer serait étendue de sept autres mers après elle, les paroles d'Allah ne se épuiseraient pas, c'est-à-dire après la terre qui porte la mer, les arbres et les humains seraient étendus, point après celle, c'est-à-dire même après la terre qui porte cette mer et il insinue par ceci les sept terres que existent après la terre-mère pour leur fournir cette mer comme celle de la terre-mère, les paroles du Dieu ne se épuiseront pas. Le Dieu sait qu'il existe sept terres après la nôtre où nous vivons. Pour cela, il dit, la mer serait étendue de sept autres mers après elle, c'est-à-dire après cette terre, et il veut dire les sept terres dont il connaît qu'elles existent après notre terre, et pour ceci, il a évoqué le chiffre sept et il a dit, de sept autres mers, alors on comprend d'après ceci que les sept terres existent après cette terre séparée par l'espace. Question 4. Bush Junior, existe-t-il au Coran, le catalogue du sage créateur, un verset plus clair qui confirme tout d'abord que les terres sont au nombre de sept comme les cieux, ensuite, que ces terres existent au-dessous de la nôtre? Après, que notre terre que Dieu l'a rendue la mère de cet univers existe entre les sept cieux et les sept terres à condition que ce verset indique le nombre numérique des terres et cieux qui ne inclut pas notre terre puisque comme tu nous dis elle est le centre de la séparation cosmologique, ce que veut dire nécessairement qu'elle ne doit pas être incluse dans ces sept terres qui viennent après elle. Enfin, que Dieu a fait de tout ça un prodige pour prouver l'authenticité de ce Coran parvenu du ciel et aussi pour faire croire à l'interprétation de l'être humain, Yamani attendu, que Dieu l'a appris. Réponse 4. Yamani attendu, Dieu dit dans son livre. 12. Dieu qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre le commandement décent, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a entouré toutes choses par son savoir. 12. Sourate 65, At-Talaq, le divorce. Ce verset est clair et manifeste. Il est un miracle pour le prophète analphabète, Mohammed, qu'il a été vraiment en train de recevoir le Coran de la part d'un sage et omniscient parce que ce verset dit que Dieu a créé sept cieux et autant de terres, c'est-à-dire le chiffre sept, sept terres, le commandement décent, c'est-à-dire le Saint Coran. Dieu dit dans son Coran à son prophète Mohammed. 94. Expose donc clairement ce que on te commande. 94. Sourate 15. Al-Hijr. Le Coran descend sur Mohammed le messager du Dieu, que la prière et la paix du Dieu soient sur lui, entre c'est-à-dire à la terre-mère où il se trouve voire au centre du centre c'est-à-dire au centre de la terre que Dieu l'a rendu le centre de la séparation cosmologique des sept cieux et sept terres, le point de ce centre est la Kaaba, la maison sacrée de Dieu. Toutes les planètes et les étoiles flottent de droite à gauche autour de l'antique maison glorifiant le sage créateur. Gloire à lui.
Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Le Coran a montré que cette terre-mère est exclue du chiffre 7 et qu'elle est entre les 7 cieux et les 7 terres. Pour cela, Dieu a dit, le Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre le commandement des 100. Finalement, les 7 terres sont après la terre-mère où nous vivons et où descend le commandement, le Saint-Coran, pour toute l'humanité. Alors êtes-vous croyant? Question 5. Bush Junior, puisque tu nous as évoqué du Coran, comment étaient les cieux et la terre avant la séparation et le fractionnement et comment elles le sont après et que le centre de cette séparation cosmologique était la terre sur laquelle nous vivons? Peux-tu donc nous montrer comment va être la fin et nous définir l'heure? Réponse 5. Yamani attendu, l'heure ce est la terre sur laquelle nous vivons et ce est elle qui pliera les cieux et les terres comme on plie le rouleau des livres et ceci par croyance à la parole du Dieu. 104. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, ce est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes. Question 6. Bush Junior, si la fin reviendra au début et que Dieu va la plier comme elle était une seule masse, une seule planète, alors nécessairement le centre de la gravité universelle est dans cette terre-mère sur laquelle nous vivons. Peux-tu nous montrer du Coran que ce centre de gravité universelle est dans la terre des êtres humains et que n'eût été l'intervention du Dieu pour la freiner, les cieux et les terres risqueraient de tomber sur nous? Réponse 6. Yamani attendu, le Dieu dit dans son livre. 41. Le Dieu retient les cieux et la terre pour qu'ils ne se affaissent pas, et ce il se affaissait, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Sourate 35. Fater, le Créateur. Et la définition de l'affaissement des sept cieux et sept terres et leur chute sur terre pour se relier au centre de la gravité universelle dans la terre-mère sur laquelle vit l'être humain, mais Dieu les retient, grâce à sa miséricorde, par pitié aux gens, de faire ça peut être qu'ils le craignent. Et ceci parce que Dieu empêche les sept cieux avec leur ornement et les sept terres avec ce qu'il y a dedans de disparaître et se affaisser vers la terre-mère, le centre de la gravité universelle. Comme nous l'avons évoqué, l'affaissement et la disparition ne est autre que la chute sur la terre-mère. Dieu dit aussi dans son livre. 65. Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. 65. Sourate 22. Al-Hajj, le pèlerinage. Question 7. Bush Junior, et comment cela peut-il être? Ce est quoi leur en sa réalité et non pas lors de sa survenue? Réponse 7. Yamani attendu, leur principal se trouve à l'intérieur de la terre sur laquelle nous vivons et si Dieu la révèle, elle se explosera dans chaque empan sur la terre et fait disperser les montagnes qui seront comme la laine cardée. Dieu dit dans son livre. 105, 106, 107. Et il te interroge au sujet des montagnes. Mon Seigneur les dispersera comme la poussière, 105, et les laissera comme une plaine dénudée, 106, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression, 107, sourate 20, Taha.
Et elle commence par un séisme catastrophique à tel point que les êtres humains ne peuvent plus marcher en équilibre mais en se balançant à gauche et droite comme s'ils étaient ivres mais ils ne le sont pas en réalité, mais ceci est à cause de l'intensité du tremblement catastrophique de la Terre. Ils se balancent à gauche, à droite et vers l'avant et vers l'arrière, Dieu dit dans son livre. 1, 2. Ô homme, craignez votre Dieu. Le séisme de l'heure est une chose terrible. 1. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment du Dieu est dur. 2. Sourate 22. Al-Hajj, le pèlerinage. Et ceci parce que la terre est elle-même leur. Elle tremble pour des causes universelles et subies, mais la terre sur laquelle nous vivons est elle-même leur. Ce est pour cela que Dieu dit, le séisme de leur, c'est-à-dire que la terre sur laquelle nous vivons, le Coran la surnomme leur. Le jour où ils la verront, il leur semblera ne avoir demeuré qu'un soir ou un matin de cette heure qui a tremblé. Lorsque Dieu l'ordonne, elle apparaît pour les êtres humains de l'intérieur de la terre. Dieu il dit dans son livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand la terre tremblera son violent tremblement, 1, et que la terre fera sortir ses fardeaux, 2, et que l'homme dira, que a-t-il et le suffixe, 3, ce jour-là, elle comptera son histoire, 4, selon ce que ton Dieu lui aura révélé, ordonné, 5, ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soit montrée leur œuvre. 6. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. 7. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. 8. Sourate 99, Al-Zalzala, la secousse. Question 8. Bush Junior, et que est-ce que tu dis sur la dixième planète, Nibiru, découverte dernièrement en 2005? Que dit le Coran à son égard, la donne-t-il un autre surnom? Réponse 8. Yamani attendu. Bush Junior, je jure devant Dieu le Tout-Puissant que le Yamani attendu ne doit pas apparaître avant que vous découvriez la dixième planète la plus basse des sept terres et elle est surnommée au Coran la planète Sijil. Si vous ne la découvrez pas, je ne pourrai pas vous montrer le centre de l'univers parce que si je vous dirai qu'il existe cette terre après la nôtre, vous allez dire qu'elle ne est succédée que par six et même si je vous dirai que le Coran stipule cette terre, vous allez dire nous avons trouvé seulement six et que le Coran a trompé et qu'il a été de la calomnie. Le Yamani est arrivé avec ce que vous appelez la dixième planète simultanément parce que Dieu va me faire apparaître sur tous les peuples en une seule nuit et pendant cette année 1427, calendrier égyrien, et ceci est une promesse et non pas un mensonge. La planète Sijil va inverser le sens de rotation de la Terre en causant le lever du soleil de l'ouest. Elle causera aussi l'élévation de la température du soleil pendant cet été et Dieu annoncera la guerre contre celui qui veut éteindre sa lumière. L'interaction avec cette planète commencera à partir de la naissance de la nouvelle lune du mois d'Oulidja de l'année 1427 et tu dois savoir qu'elle a passé à plusieurs reprises par la Terre, avant cette fois-ci, pour l'aseptiser et éliminer les démons humains. Cette planète sera aperçue par les habitants de Mecca et Yémen au coucher du soleil de ce jour à l'horizon du pôle nord sous l'étoile polaire. Alors pourquoi Dieu a rendu les États-Unis d'Amérique surnommés cette planète?
Je te conseille, Bush Junior, de réviser tes comptes. Moi, le Yamani attendu, je te parle avec un ton poli et respectueux. Je te invite à, pas de divinité à part Allah, Dieu, et Mohamed est le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Si tu te soumets, tu seras sauvé et tu auras ta rétribution auprès de ton Seigneur et celle de ceux qui te suivront. Ma manière douce avec toi ne veut pas dire que je te crains, mais parce que Dieu a ordonné moi de parler avec Pharaon, malgré qu'il a réclamé sa divinité, avec un ton doux en espérant qu'il se rappelle et craint, ne sois pas désespéré de la miséricorde de Dieu. Bush Junior sait que Dieu embrasse tout de sa miséricorde et son savoir, et si tu te repens à Dieu et tu annonces ton islam et ta soumission au Dieu, tu trouveras absolument Dieu pardonneur et miséricordieux, quoi que soient tes péchés, même ceux il équivalent le nombre des atomes de ce gigantesque univers, Dieu dit dans son livre. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, ce est lui le pardonneur, le très miséricordieux. 53. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. 54. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. 55. Avant qu'une âme ne dise, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Car je ai été certes, parmi les railleurs, 56, ou qu'elles ne disent, si Allah me avait guidé, je aurais été certes, parmi les pieux, 57, ou bien qu'elles ne disent en voyant le châtiment, ah, ce il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants, 58, ou que si. Mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu te es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. 59, Sourate 39, As-Zumar, les groupes. Et aussi vous, la communauté des Juifs, ne vous désespérez pas de la miséricorde de Dieu et entrez à l'islam, vous serez sauvés, vous aurez vos rétributions auprès de Dieu qui vous guidera vers le droit chemin et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Nous, les musulmans, nous ne voulons que la sécurité et la pitié pour tous les peuples. Est-ce que Dieu a envoyé son dernier prophète et messager pour une raison outre que la miséricorde pour les peuples, que la paix et la prière de Dieu soient sur lui, et que la paix soit sur les messagers et louange à Allah le Seigneur de l'univers? Aussi je invite tout le monde à entrer en islam pour que Dieu nous couvre tous par sa miséricorde. Vous aussi, la communauté des chrétiens, laissons-nous se réunir sur une seule parole, que nous ne servions que Dieu seul sans associés, nous ne adorions pas Mohammed le messager de Dieu en dehors d'Allah et vous ne adoriez pas Jésus fils de Marie en dehors d'Allah et que nous ne prendrions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah, vous obtiendrez une grande triomphe. Aussi vous, la communauté des musulmans, repentez-vous au Dieu afin que vous gagneriez.
Sachez que le tourment de Dieu arrivera en votre année 1427 Hégrie et le soleil se lèvera de l'ouest en cette année 1427. Que Dieu soit témoin et confiant sur mes paroles, mon Dieu, je ai averti, soyez alors témoin. Je informe les superviseurs des forums que vous ne devez pas cacher mon discours. Si je suis menteur, je serai vengé et sévi, et si je dis la vérité, alors sachez que ça sera dur et dangereux pour celui qui refuserait et serait arrogant. Et que la paix soit sur celui qui suit le guide vers le droit chemin. Imam Nasser Mohamed le Yamani. Read more, http://